Léo, ça se passe bien, c'est un gamin de 16 ans, 17 ans. Le mec, c'est un phénomène. Tu veux faire quoi? Tu peux rien faire, t'applaudis ce qu'il fait, mais t'as envie de jouer. Donc tu te dis, bah, on a fait le triplé la deuxième année. Bon, Lui, il s'est blessé aussi, donc oui. il fait la rééducation. Moi, je commence le championnat, tout se passe bien. Il vient à l'entraînement, il commence à mieux jouer. Le coach, Richard, il vient me voir, il me dit, Ludo, voilà, Léo, il pousse et je vais le mettre au mois de janvier, je le mets. Donc. Ne sois pas surpris, donc voilà. Donc là, tu prends un coup derrière la tête parce que tu dis, j'ai envie de jouer, j'ai encore le feu dans les jambes et tout. Et quand tu regardes sur le terrain ce qui se passe avec lui, tu te dis, bon, bah, je vais pas jouer, quoi. Je vais pas jouer longtemps, quoi. Il me reste encore un an de contrat. Je me pose la question, je dis, je fais quoi? Je reste encore un an sur le banc comme ça? Alors, le groupe était extraordinaire, c'était génial, tu vois, mais moi, j'avais envie encore de jouer. Et donc, je prends la décision de partir. Est-ce que c'était une bonne chose? Je ne sais pas. Mais peut-être que j'aurais pu rester, accompagner un peu plus Léo et prendre plus de plaisir dans un...